Bonjour, on va vous parler du comité d'éthique. Moi, c'est Sarah Deuge, je travaille à Direction Générale et Développement et je suis animatrice du comité d'éthique. Et moi, je suis Anne de Vissor et grâce à mon activité chez Smart, j'ai pu m'engager en CDI en tant que traductrice. Le comité d'éthique dont on vous parle aujourd'hui est une instance consultative de Smart qui veille à la cohérence entre les pratiques de la coopérative et les valeurs qu'elle affiche. Sarah, pourquoi un comité d'éthique? Lors du premier Smart in Progress en 2015 et 2016, le groupe de travail qui avait validé l'élargissement de Smart à tous les secteurs d'activité a aussi recommandé la création d'un comité d'éthique pour s'assurer que Smart reste un employeur responsable. Alors, en 2017 et 2018, un groupe de travail a réfléchi, toujours dans le cadre d'un CIP, à la mise en place du comité d'éthique au sein de Smart. Le conseil d'administration et l'assemblée générale ont validé la plupart des recommandations tout en demandant à ce que le premier comité d'éthique étoffe et précise son mode de fonctionnement. C'est ce qu'on a fait en 2019, Anne, tu étais là, après quoi on a pu analyser les premières demandes qui lui sont parvenues par le personnel mutualisé de Smart principalement. Et c'est quoi en fait le périmètre d'action du comité d'éthique? Le comité d'éthique n'a pas pour but d'être dans l'arbitrage ni dans la médiation, à la place d'autres instances qui seraient plus appropriées en fait. Donc c'est plus simple de dire ce qu'il n'est pas. Il ne relève ni du juridique, ni du politique, ni du stratégique. Anne, tu veux nous dire qui compose ce comité? Depuis 2020, en fait, le comité d'éthique Smart est constitué de deux permanents sociétaires qui ont été sélectionnés sur base de candidature, de deux experts accompagnants qui ont de l'expérience dans le domaine éthique par leur pratique professionnelle, de cinq sociétaires de catégorie A qui ont été tirés au sort parmi les sociétaires de Belgique et de France, et toi, Sarah, l'animatrice désignée par la coopérative. Et ça marche comment? Le comité d'éthique est une instance consultative qui agit par voie d'avis et de recommandations qu'il émet à l'attention de Smart. Et comment saisir le comité d'éthique? Il peut se saisir lui-même de questions ou être saisi par l'ensemble des sociétaires, des travailleurs et des utilisateurs des services Smart. Les requêtes doivent nous parvenir par écrit. D'ailleurs, si vous avez des questions à soumettre au comité d'éthique, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse comité.éthique@smart.coop.